Je vous préviens, Rocher. La prochaine fois que vous vous amusez à surveiller la fréquence de la police, je vous fais boucler pour entrave. Vous voulez reprendre le boulot, vous savez ce que vous avez à faire. Bonjour, docteur Cholet. Oui. Dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous tracasse? Rien, j'ai juste besoin qu'un psy m'autorise à reprendre mon travail. Écoutez, on peut pas forcer les gens à soigner, alors je vais autoriser votre retour sur le terrain. Quoi, comme ça? Vous voulez reprendre le boulot, non? Oui. Ah, et bah allez-y. Et pas de rien. Monsieur Rocher? Oui. Excusez-moi, je suis en retard, j'ai été retenue. Comment ça? Quoi? Hé, hey, lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites, là? J'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut? J'ai improvisé. En vous faisant passer pour une psy? Alors, j'ai hésité avec Cosmonaute, mais j'avais pas le bon costume. D'ailleurs, est-ce que vous avez trouvé du nouveau sur elle? Je vous intéresse tant que ça. Qu'est-ce qui se passe, commissaire? Madame Bergman est libre de partir. Qu'est-ce que vous faisiez dans le cabinet du docteur Cholet? Ça vous regarde pas. Mais je vous jure que j'ai rien à voir avec sa mort. Vous perdez votre temps à vous intéresser à moi. C'est laquelle est votre voiture? La noire. J'ai avec vous. Plaisanté, non? Je vous rappelle que vous n'êtes pas plus habilité que moi à mener cette enquête. Tant bien, là. J'ose pas vous demander comment vous avez fait. Seulement, vous enquêtez en dehors de toute légalité. En plus, vous le faites avec Madame Bergman. Je crois pas qu'elle soit impliquée dans la mort du docteur Cholet. En revanche, c'est grâce à son intuition qu'on a pu remonter la piste de Wojtkowski. Maintenant, soit vous jouez franc jeu, soit vous laissez la police faire son travail. Eh ben allez-y, faites comme vous voulez. Ça ne me regarde plus de toute façon. Et une dernière chose. Le commandant Rocher est dans une stratégie d'évitement par rapport à son retour à la DPJ. Tout ce qu'il lui faut, c'est de s'y confronter. De rien. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Café? Vous êtes sourd ou quoi? Vous vous souvenez ce qu'a dit la marque? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Il vous a laissé travailler dans d'autres IGS? Ça fait voir ça moi tout ça, non? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? J'avais aucune intention de revenir. Mais ça m'embêterait beaucoup qu'Audrey paye pour un crime qu'elle n'a pas commis. Comment ça se fait que ça t'intéresse tant que ça? Je comprends pas. Parce que j'en ai marre que ce soit toujours les méchants qui gagnent. Alors, vous êtes encore là? Ouais, je vous attendais. Vous savez, vous l'avez vraiment aidé, cette fois. Bravo. Et pourtant, c'est vraiment pas mon genre, hein. Je vous assure. Au revoir, alors. J'ai observé pendant 2 jours cette femme, Audrey Rudowski. Tu t'es démené pour elle. Laisse-moi t'aider.